Marie-Hélène Beaudry, metteur en scène, 38 ans. Au primaire, j'étais dans la concentration théâtre. Même chose au secondaire, où j'étais dans la concentration théâtre. Et là, le désir d'en faire une carrière est devenu plus grandissant. Mon emploi principal, c'est agente de développement parce que je ne peux pas vivre de la boîte à chapeaux. La boîte à chapeaux, c'est un loisir culturel. Je fais ça bénévolement. 2, 5, 10, 19, 18, 9. Le théâtre représente tout. Le théâtre, c'est la vie. Pour moi, c'est une forme d'expression, une forme artistique d'expression. C'est une façon d'être une autre personne, de toujours être dans l'état de jeu, d'avoir son cœur d'enfant, de le retrouver, en fait, de faire croire aussi, de raconter des histoires au public, de créer des moments, une communion avec un public qui vient voir, de partager une histoire, de partager une vision du monde. Fait qu'allez vous placer dans là. Tu sais, il y a comme une rangée de monde en haut de Jessie, puis... Oui. Oui, c'est un art collectif, en fait. Le théâtre, pour moi, c'est rassembleur. J'ai toujours vu ça comme la nouvelle messe, si on veut, comme un nouveau lieu de rassemblement où on échange ensemble pour se poser des questions, pour réfléchir à la société et éventuellement créer un monde meilleur, dans l'idéal. Non, je te mettrais vraiment en ligne avec « rapproche-toi un peu ». Ouais, ouais, mettez-vous plus vers la ligne... Là, puis là. Ouais. Voilà. Fait que Jessie, dans sa première réplique, elle s'en vient se placer devant sa mère. Oui, mais pourquoi est-ce que je m'en viens en disant ma réplique? Oui. J'attends vraiment d'être... Non. Non, c'est ça. Okay. Oui, tu t'en viens direct, puis vous allez venir faire votre jeu de bouteille d'eau et de sac à dos ici, mais tout en laissant Jessie dans le centre. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui, puis je vais être... Le travail de metteur en scène, en fait, dans le cadre de la boîte à chapeaux, c'est vraiment d'accompagner les acteurs amateurs, de les amener à être en mesure d'incarner leur personnage, leur rôle de façon crédible, de façon sentie. C'est un peu le chef d'orchestre de musique, si on veut. C'est la personne qui est en charge de tout. Donc, c'est elle qui a le dernier mot sur tout, sur la décision de la conception, pardon, d'éclairage, des costumes, de la conception sonore. C'est elle qui met en scène et en place les acteurs. Donc, les entrées, les sorties, l'émotion que les acteurs vont devoir avoir joué selon la scène, selon ce que le metteur en scène a envie de dire avec le texte qui est proposé. Parce que c'est pas pour rien qu'il y a plein de pièces de théâtre qui sont reprises d'année en année. Des Roméo et Juliette, on en a vu un et un autre, parce que le metteur en scène a toujours un nouveau point de vue à apporter sur un texte. Donc, c'est d'apporter cette vision-là aussi aux comédiens pour qu'ils soient en mesure de transposer sur scène ce que le metteur en scène a envie de dire. Black Light. Pourquoi il met du sang partout de même? J'aime pas ça voir ça. On dirait qu'on tue les enfants. On dirait qu'on tue mes petits-enfants. Ça me fait mal. Je Je sais pas pourquoi ils font ça, mais ça me fait mal. Il n'y a personne qui peut savoir à quel point ça me fait mal. On dirait qu'on tuait des enfants. On dirait qu'on tuait mes petits-enfants. Ma technique de metteur en scène, en fait, je pense que je suis quelqu'un... Dans un cadre d'amateur, je pense que je suis quelqu'un d'assez flexible et compréhensive. En fait, le but, c'est pas de faire de ces gens-là des comédiens professionnels. Ce qu'on veut, c'est créer un cadre d'amusement. C'est un loisir artistique et culturel. Donc, c'est vraiment de créer un environnement de création agréable, d'avoir du plaisir. Puis, oui, d'essayer à ce que chaque comédien arrive à augmenter le jeu d'année en année ou d'aller chercher de les mettre en challenge ou en défi, d'aller chercher des trucs qu'ils ne seraient pas capables de faire ou qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables de faire. Donc, c'est de les amener un peu plus loin, mais toujours dans le respect de leurs limites. Je suis pas une metteur en scène qui est tyrannique, genre, je veux que tu me dises cette réplique-là comme ça. Si ça fait 14 fois qu'on le laissait puis tu l'as pas encore, ben je lâche prise puis ça sera ça, tu sais. Je veux dire, je m'acharne pas sur un comédien qui est pas capable de me livrer ce que je lui demande au final, parce que dans le fond, le but, c'est que le comédien ait du plaisir à jouer sur scène avec ses comparses. Donc, il y a beaucoup de lâcher prise qui vient avec la mise en scène du amateur. Laisse-la avancer, le cœur a sauté, fait juste, pendant qu'elle avance tranquillement, tu dis la face, t'es pas au club en face, genre, voyons, c'est... Non, mais poké, là... T'en parles pas, là? Non, poké. Qui va crever sous vos yeux et qui, en plus, pour le même prix, pour la gagner au complet. Xénophobe! Xénophobe! La prestation finale arrive toujours après entre 8 mois de travail. Dans le fond, on commence toujours généralement les répétitions, les rencontres en septembre, où là, on fait des ateliers de jeu parfois. Ensuite, je fais toujours une sélection de 3 à 4 textes qu'on lit tout le monde ensemble. Donc, ensuite, il y a la mise en place... de la mise en espace. Ensuite, il y a l'interprétation qu'on travaille, les décors, les costumes, la scéno, la musique embarque. Et après tout ça, il y a une semaine intense de répétition de général où là, on met tous les éléments ensemble pour créer le spectacle. On présente généralement, en moyenne, 4 représentations par année. Fait que là, pendant qu'elle avance, tu vas la chercher. Bon, Madame Louchard, je vous laisse ici 2 minutes. Regardez par là. On travaille présentement sur Pitié pour les vieilles chiennes sales de Marie-Ève Gagnon. Donc, une pièce qui a été écrite il y a 20 ans, mais toujours aussi actuelle. Bon, c'est sûr qu'il y a des petits trucs qu'on a dû changer de par la distribution, mais ça reste quand même très actuel. On est beaucoup dans la critique de la société, du rôle de la mère, superwoman, performante. Les reproches qu'on peut faire à l'éducation des mères aussi envers les enfants, on leur met beaucoup de pression, puis en quelque part, c'est jamais correct. On a toujours des reproches à faire à nos mères, donc ce volet-là. Mais il y a aussi vraiment un volet sociétal au complet, la colonisation des immigrants, sur l'éducation des jeunes filles, sur... les revendications sociales aussi chez les travailleurs. Donc, c'est vraiment une pièce assez coup de poing, je dirais, parce que c'est quand même assez rock'n'roll. C'est une pièce, je dirais, qui clash avec ce que La Boîte à chapeaux est habituée de faire. On est dans la comédie, mais vraiment dans la comédie dramatique, voire la comédie noire, parce que c'est quand même assez crunchy, si je peux dire. C'est un peu coup de poing comme pièce, ouais. Okay. Bon, mais c'est pas tout, là! C'est pas ce qu'il vous dit, mais je vais vous faire un tour de magie. Je vais vous faire apparaître l'être le plus dégueulasse au monde, le plus blablabla, blablabla. Et en plus, pour le même prix, xénophobe. Oui, xénophobe. Madame Bouchard. Le jeu me manque. En fait, depuis quelques années, je me donne des petits rôles dans les mises en scène que je fais parce que j'adore jouer aussi. Et ça me permet aussi de faire partie de la gang de comédiens parce que le metteur en scène a une job un peu ingrate. C'est lui qui orchestre tout le spectacle, mais il ne reçoit pas vraiment les reconnaissances ou les applaudissements à la fin. C'est les comédiens qui se font... louanger, si on veut. C'est pas que je cherche ça non plus. Donc, le jeu permet ça. Puis, donc, depuis quelques années, je me donne des petits rôles, justement, pour me permettre d'assouvir ce désir de jeu, mais aussi de faire partie à part entière de la troupe. Ça me trompe, il n'y a pas de sauce! Pas de sauce. Hey, dans le fond, pendant qu'elle dit sa réplique, tu sais, pourquoi il y a du ça partout? Oui, ben là, je regarde. Ben, tu regardes toi, regarde là, regarde aux alentours, t'es comme, voyons, tu sais qu'elle va du sang, elle. OK. Allez. Pour finir en dessous des pieds, puis là, tu leur dis? Ouais. Ça va vous faire, ça va vous faire du bien. Oh mon Dieu, il y a du sang partout, pourquoi? La boîte à chapeaux en est à sa 9e production, oui. Donc, en fait, c'est parti en 2011 avec ma collègue Vicky Perrault. Il n'y avait pas de troupe de théâtre qui existait pour les amateurs, si on veut. Non, non, excuse-femme trompée. Ici, il n'y a pas de sang. Ici, pas. C'est beau ici. Ça va me faire du bien. J'ai ici pour être heureux. Heureux. Ça me comprend? Excusez-moi, je réalisais pas. Je savais pas. Personne me l'a dit. Je savais pas qu'il fallait être heureux. L'ouvre-boîte, en fait, c'est ouvert à tout le monde, mettons, des adolescents de 13 ans à 98 ans. C'est, dans le fond, d'offrir l'opportunité à tous les amoureux de théâtre de pouvoir se produire sur scène et de voir le concept, la conception d'un spectacle du début à la fin, qu'on passe par les ateliers de jeu, de mise en voix, de mise en corps, la sélection d'une pièce de théâtre, l'apprentissage du texte, la mise en espace, la création des décors et des costumes. Donc, c'est vraiment la production et la conception d'un spectacle du début à la fin. C'est ce qu'on permet avec l'ouvre-boîte et la boîte à chapeaux. Oui, paradoxe qui me fait énormément souffrir. J'ai mal à ma tête, je suis sur ma semelle, mais je couvre les femmes. Ça me fait souffrir, ça aussi. Ah, aussi prendre mes richesses et donner maladie du cul à moi! C'est vraiment ce que j'aimerais qu'il ressorte du spectacle après la représentation. C'est, en fait, un beau miroir déformant que je mets dans la face du public en disant la société que vous allez voir sur scène pendant 1h30, 2h, elle est déformée, mais elle découle de ce qui existe déjà et c'est vraiment une facette grotesque de ce qui se fait présentement et c'est en fait dans le but de regarder de quoi on a l'air, essayons de changer un peu. C'est les problèmes! Mes femmes t'ont recommencé! Moi, t'en contrôlais un peu primitif! Moi, pute! Toi, être civilisé et méchant? Toi, venir ici pour civiliser moi et tuer les modes de vie traditionnels? L'art, pour moi, c'est la vie. En fait, la vie n'a pas de sens sans art. L'art, c'est une connexion directe avec nos émotions, avec nos sentiments, avec l'humain, à proprement parler. L'art, c'est essentiel.